Bon Dieu, c'est vous qui, bon Dieu, moi, quand vous venez, moi, caché chez vous, n'a moins soif fou, quand moins soif fou, quand est-ce à commander de l'eau? Parce que le premier cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est pas de lui apprendre des choses, mais c'est que ses parents se convertissent. À ce moment-là, il apprendra des choses par les parents, et ce sera beaucoup mieux. Plutôt que de venir au catéchisme comme on va à l'école, quelque chose qui reste en dehors un peu de la famille, en dehors de la vraie vie. Donc il faut que la foi entre dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, mais aussi la vie à l'église, bien entendu. Les grands principes de cette réforme reposent sur un cocktail qui a déjà bien marché, qui marche bien et qui est plébiscité par les enfants, par les familles, par les catéchistes et les pasteurs. C'est le cocktail qui fonctionne aujourd'hui dans la première année de catéchisme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette première année? Il y a des rencontres en famille entre l'enfant ou les enfants et les parents. Premier élément. Deuxième élément essentiel de ce cocktail, il y a la Bible. Donc le support principal est la Bible. Le troisième élément de ce cocktail, c'est le fait que l'on suive l'année liturgique. Donc dans ces trois éléments-là, on a quelque chose que les gens apprécient, parce que quand on va à la messe après, il y a aussi cette relation personnelle entre l'enfant et son parent en famille. Donc le catéchisme, et beaucoup de parents demandent d'aller plus loin. Or aujourd'hui, dans la deuxième année, c'est plus le cas, etc. Donc on va proposer ce même système, adapté bien sûr, finalement à tout, j'ai en fait dire pas toutes les années, je vous préférerais qu'on parle de tranches d'âge. Donc à toutes les autres tranches d'âge du catéchisme. Alors, le grand élément, c'est la famille. On a vu tout à l'heure, je pense, dans ce reportage que vous êtes en train de faire, le texte d'Amoris Laetitia où le pape réaffirme un principe absolu dans lequel, pour lequel ni vous, ni moi, nous n'avons un pouvoir de changement, c'est que c'est la famille, en particulier les parents, qui sont non seulement responsables, mais qui doivent être les acteurs de la catéchèse de leur enfant. Ce n'est plus possible, ce n'est pas possible, ça n'a jamais été d'ailleurs, que l'on prenne l'enfant et qu'on l'éduque en dehors des parents, ou que même les parents de leur côté transmettent l'enfant et puis se désintéressent de l'éducation de leurs enfants. Alors cette expérience de la catéchèse aux Trois-Îlets, aux Anses d'Arlée, est née d'un contexte, aux Trois-Îlets, où de fait, les parents se sont retrouvés obligés, véritablement contraints à être les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Voilà, donc c'est avec quelques réticences, quelques rires jeunes qu'ils ont accueilli la bonne nouvelle de leur curé, qu'ils seraient désormais les catéchistes de leurs enfants. Et tout de suite, il leur a été donné la possibilité de se mettre en action et d'organiser cette catéchèse. Voilà, ils ont eu d'entrée de jeu l'obligation quasiment de se retrouver entre parents, d'organiser les rencontres sur leur secteur, d'organiser les groupes et d'organiser aussi l'animation de la catéchèse. Alors cette organisation, elle est née d'une expérience. D'abord, l'idée du cocktail, elle est venue depuis un moment. Elle est née aussi du synode sur la catéchèse. Et cette organisation est venue d'une expérience, celle qui a été faite dans les paroisses de Trois-Îlets et Anses d'Arlée. Alors, elle repose, évidemment, on va l'adapter, d'abord sur la Bible. Une Bible sera éditée, c'est la Bible, la traduction de la liturgie, une Bible locale avec un tableau. Un tableau où chaque famille sait que telle semaine, il faudra lire tel texte en famille avec les enfants de la famille, c'est-à-dire tous les enfants. Comme là, un peu sur ce schéma, un partage en famille entre parents et enfants. On va partager, on va lire un texte biblique, on va produire une expression. Et cette expression ensuite, l'enfant va aller dans une deuxième étape, dans une réunion en quartier,
avec tous les enfants de la même tranche d'âge du quartier et pour partager avec un parent responsable ce jour-là. Réunion en famille. Donc première étape, une réunion dans la famille avec tous les enfants de la famille, avec les parents ou un des parents. Et puis deuxième étape, l'enfant va à une réunion de caté, de catéchisme, avec ceux qui ont la même tranche d'âge que lui, avec un parent. Ensuite, à partir de ce moment-là, cette réunion de quartier, avec les enfants d'une même année, exclusivement avec des parents, ça c'est très important, que ce ne soient pas des catéchistes extérieurs qui viennent, mais bien des parents qui s'impliquent. Vous voyez, à partir de ça, on espère, et ça s'est déjà passé, vous l'entendrez, j'espère, dans les interviews, que les gens soient vraiment intéressés par le catéchisme et que la famille elle-même soit évangélisée. Donc, en fait, on fait des réunions de caté tous les mercredis, à partir de 14h30, chez ma maman. Donc, ça se passe chez ma maman parce que c'est un lieu de proximité. Et c'est au carrefour du lieu d'habitation des différents enfants. Donc, ils sont 6, voilà, et nous sommes 2 mamans. Ça n'a pas été facile au début, puisqu'il a fallu déjà préparer. Il faut préparer, on a nos occupations aussi professionnelles, ce n'est pas évident. Et puis, on s'est réimprégné aussi de la lecture de la Bible, voilà. Donc, c'est passionnant. C'est vraiment intéressant puisque les enfants, nous on essaie de les faire participer. On leur permet en fait de s'exprimer. Donc ils sont au cœur vraiment de la séance de caté. Donc on les interpelle, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Et surtout qu'ils puissent s'exprimer comme ça leur vient et comme ils le ressentent. Et puis, on essaye aussi de mesurer comment ils se sont appropriés et compris, en fait, les différentes paroles de la Bible. Donc voilà, et on essaye de varier les différents supports. Donc on travaille sur la Bible, mais on va travailler aussi sur des bandes dessinées, on va leur passer des films, ils vont faire des scènes de théâtre. En fait, on va varier vraiment les différents supports pour qu'ils puissent s'approprier les différents éléments de la Bible. Alors, que deviennent les catéchistes dans ce système? C'est ça, en fait, la grande question. Les responsables du catéchiste, eh bien, un rôle dont je rêve et je ne suis pas le seul depuis longtemps. Les catéchistes vont devenir des évangélisateurs des familles. Il faut un grand mouvement d'évangélisation de la famille et des parents. Et justement, ce que j'attends des catéchistes désormais, qu'ils soient de vrais catéchistes, c'est-à-dire qu'ils aillent dans les familles, comme Super Nanny à la télé, vous voyez. Super Nanny, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, et c'est pas elle qui éduque les enfants. Elle pourrait pas rester là, ça marcherait pas. Elle apprend aux parents à éduquer les enfants. D'ailleurs, à un moment, elle se retire, et puis elle revient. Et j'aime bien cette émission à la télé, et je vois que tout le monde l'aime bien. Parce qu'il y a quelque chose de vrai. Et dans l'Église, justement, nous cherchons un ministère de femmes. Alors, il n'y a pas que les femmes comme catéchistes, mais une grande majorité. Et bien précisément, voilà un grand ministère que l'Église officiellement, et je viendrai dans chaque paroisse lorsque ce sera prêt, pour lancer en mission ces catéchistes, ces femmes en particulier, et ces hommes s'il y en a, qui sont prêts à aller dans les familles, d'abord à aider, on dirait, dans la première étape, à aider dans les rencontres avec les parents ici, voyez, à aider, à venir, à visiter chaque famille. Les catéchistes auront ce rôle de visiter chaque famille, qu'aucune famille qui a un enfant en catéchisme ne soit pas visitée dans l'année, et de les aider lorsqu'ils sont en difficulté, mais pas de prendre la place des parents. Ensuite, ils peuvent aussi, mais je n'y tiens pas trop, mais ça peut exister que la catéchiste vienne visiter la rencontre de quartier. Mais là, il faut qu'elle soit animée par les parents aussi. Par des parents qui se dévouent aussi, on reçoit les enfants dans une maison du quartier. Donc la catéchiste peut venir voir si tout se passe bien, mais il n'est pas question que ce soit elle qui anime la séance, elle laisse animer, elle conseille les parents. Évidemment, quand il y a une défaillance, elle peut aider. Les catéchistes ensuite seront responsables d'une tranche d'âge, parce que ça demande une compétence, ça demande un temps de formation, comme le sont nos milliers de catéchistes en Martinique. Et puis, bien sûr, participer à l'équipe pédagogique. Dernière étape, c'est la préparation au sacrement. Alors, la préparation au sacrement, un peu comme le baptême,
ou le mariage, il faut qu'on puisse préparer le sacrement quand on est prêt. Il y a des enfants qui ont 12 ans qui ne sont pas prêts à faire leur première communion. Il y a des enfants qui ont 7 ans et qui sont prêts à faire leur première communion. Mais c'est la famille entière qui doit s'y préparer. Et donc, je demande qu'il y ait dans chaque paroisse des sessions organisées. Et dès qu'une famille se présente, comme pour le baptême d'ailleurs, en disant « j'aimerais bien que mon enfant fasse sa première communion, je le sens prêt ». Alors, si une famille fait cette démarche, ça signifie qu'elle va à la messe, que l'enfant demande, ou que l'enfant, d'une façon ou d'une autre, a fait une expérience de Dieu. Et à ce moment-là, il faut proposer aux familles, peut-être à date fixe, et là, les catéchistes ont tout leur rôle, un peu comme on le fait pour le baptême, une session, alors un peu plus longue quand même. Hein. Pour le baptême, ça ne suffit pas. Je pense que les personnes ne sont pas évangélisées. Il faut améliorer ce travail avec l'implication du prêtre ou de prédicateurs qui pourront venir. Une session de 5-6 séances, peut-être après ou avant la messe, ou à une autre date qui convient, le dimanche ou en semaine, où des familles entières pourront venir pour préparer la première communion ou la profession de foi avec leur enfant. Et le jour de la profession de foi ou de la première communion, eh bien, ça ne se passe pas toute la paroisse ensemble avec des dizaines d'enfants, mais au contraire, par quartier, on peut organiser ça, un dimanche normal, et c'est toute la famille qui vient faire ça, qui vient communier. Pas uniquement l'enfant, pendant que maman prépare le chocolat peu en beurre et que papa prend des photos, et l'enfant est tout seul au milieu d'une dizaine d'enfants, il ne prie même pas. Là, il faut vraiment qu'il y ait des premières communions beaucoup plus pieuses, quitte à, comme l'a fait Hans Darlet et Trois-Îlets, organiser une fête de la communion, où on va rassembler tous les enfants qui ont fait leur première communion dans l'année. Mais voilà, on pourrait, alors là les catéchistes ont un vrai rôle pour préparer cette fête avec tous les enfants de tous les quartiers, pour organiser aussi la session qui va rassembler pour le coup des gens qui viennent de tous les quartiers, la session de préparation en famille de la première communion. Monseigneur Marie-Sainte, qui nous a récemment quittés, disait que si les familles ne sont pas évangélisées et évangélisatrices de leurs propres enfants, les catéchistes perdent leur temps. Et cette parole prophétique, on la voit se réaliser sous nos yeux tous les jours, où des milliers d'enfants catéchisés, qui ont suivi plusieurs années de catéchisme, ne restent pas fidèles. Non pas parce que les catéchistes enseignent mal, c'est pas vrai. Au contraire, le catéchisme est bien fait globalement. Non pas parce que les enfants sont méchants, mais parce que leur famille ne suit pas. Et si la famille suit les catéchistes, eh bien, la proportion de jeunes qui va continuer à suivre le Seigneur sera plus grande et la Martinique ira beaucoup mieux. En fait, nous avions un groupe de 22 enfants, 12 à Petite-Anse et 10 au bourg des Anses d'Arlet. Donc on a constitué deux groupes avec deux parents animateurs par groupe. Pour Grand-Ansebourg, les cours c'était tous les mercredis à 16h et nous à Petite-Anse c'était le jeudi à 17h30. Donc en fait, le seul support c'était la Bible, donc il fallait effectivement faire des rencontres par rapport à ça. Donc au préalable, on avait quand même un guide, donc on avait certaines, chaque semaine il y avait des études à faire. Donc on mettait, donc moi en tant que responsable de troisième année, effectivement j'avais pour mission, je dirais, de fournir en fait à l'ensemble des parents et catéchistes en fait les informations pour pouvoir effectivement qu'on aille tous dans le même sens pour que nos enfants puissent effectivement faire leur première communion. Parce que notre objectif c'était pour que les enfants puissent faire leur première communion. On se voyait régulièrement entre parents et enfants, il y avait des rencontres en demi-groupe. Ensuite, on voyait les enfants en groupe et par rapport à ça, on a réussi effectivement à mener à bien notre projet. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais il y a eu une implication de tous les parents. Les parents se sont vraiment impliqués et justement, c'est par rapport à ça que nous avons réussi parce qu'il fallait vraiment déjà préparer les cours avec nos enfants dans un premier temps. Ensuite, en groupe, les parents catéchistes, justement, revoyaient la leçon avec les enfants sur ce qu'ils avaient déjà vu au préalable avec leurs parents. Donc après, on a essayé aussi d'animer avec des fois en faisant des jeux, un certain nombre de choses pour aussi égayer un peu les leçons. Alors,
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le manuel de catéchisme est important. Il y aura certainement des manuels, des guides de lecture qui seront édités par nous, par l'équipe diocésaine de la catéchèse, bien entendu. Mais on pourra aussi, les parents, dans leur inventivité, les enfants aussi, les catéchistes pourront proposer d'autres supports que l'on trouve sur Internet, des chants, des CD, etc. Par contre, la base sera donnée par la liturgie, par l'Église, par le diocèse, qui va donner une liste de textes à étudier. Donc chaque semaine, on saura, dans chaque famille, ainsi si un enfant qui est dans une famille différente, l'enfant saura, il étudiera le même texte, quel que soit le catéchisme où il va, je veux dire, dans un tableau. Donc ce tableau sera imprimé, il sera d'ailleurs dans la Bible qu'on espère imprimer bientôt, et donc on pourra suivre ce tableau, et chaque famille saura quel texte lire ensemble, et quel texte partager avec les enfants et les parents. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. On passe beaucoup de temps avec nos parents. Et beaucoup de temps avec Jésus. Oui. Et on a aussi appris à apprendre à lire la Bible et apprendre à prier beaucoup. On a fait notre première communion. Maintenant, le 21 mai, on va passer l'action de grâce. On va faire une autre communion, mais c'est tout rassemblé. On a passé beaucoup de temps avec nos parents. Ils nous ont aidés un petit peu. Et on va aussi chanter pour Jésus, pour qu'il soit avec nous. Pour que Jésus soit avec nous. Il croit en nous. Hein. Et qu'il nous pardonne de nos péchés qu'on a fait avant, après et maintenant. D'accord. Et aussi pour nous apprendre à vivre avec nos parents, de ne pas dire des bêtises, de ne pas dire des gros mots, de ne pas répondre mal. Il va nous aider tout ça. En tant que curé de la paroisse des Trois-Îles et des Anzarlais, je tire un bilan très positif de cette expérience de la catéchèse. Une catéchèse intégrée à la vie de l'Église, c'est-à-dire les catéchistes et les parents sont intégrés à la vie de la communauté. La catéchèse permet aux enfants et aux parents de trouver leur place dans la vie de l'Église. Ça, c'est un premier bilan positif. Participer à des animations de messe, mais aussi proposer des animations diverses pour les familles dans le cadre de l'Église, ça, c'est très bon. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.